Je m'appelle Priscilla Langevin, je suis membre du collectif Déclic. Donc Déclic Collectif, en fait, c'est une association qui vise à révéler le potentiel des espaces publics. Donc, plus concrètement, on fait des actions de sensibilisation pour montrer un peu aux habitants le rôle que peuvent jouer les espaces publics dans le vivre ensemble en ville. Ce qui m'a donné envie, ce qui nous a donné envie de créer le Déclic Collectif, c'est qu'en fait on est des urbanistes beaucoup de formation et on a un peu des expériences beaucoup à l'étranger où en fait il y a ce vrai pouvoir d'agir qu'ont les citoyens sur leur cadre de vie et c'est quelque chose qu'on voulait vraiment implanter à Grenoble et donc on a commencé par des actions, notamment une de nos premières actions a été la première fête des tuiles en 2015 je crois où on a proposé tout simplement aux gens de peindre un mandala au sol. Et donc en fait ça permettait aux gens, le temps d'une journée, de dire bah voilà le cours Jean Jaurès qui est normalement un axe très routier sur lequel les voitures circulent et pas les gens, et bah sur une après-midi c'est le piéton qui leur prend possession et qui laisse sa trace même à travers ce mandala au sol coloré. Mais les gens étaient hyper contents de pouvoir mettre de la couleur dans la ville sur le bitume, beaucoup de gens disaient il faudrait le faire plus souvent, le faire partout, ça devrait même rester, il y a une vraie volonté de garder un peu ce côté on colore la ville. Aussi à aller vers l'autre et à parler de soi, à parler de l'association, à proposer de participer à une activité. Côté participatif, c'est important parce que finalement la ville et les espaces publics, c'est vraiment là où finalement la ville se vit au quotidien. C'est là où tout le monde se rencontre, c'est là où tout le monde s'échange. On le voit notamment par exemple quand la France est championne du monde, on va tous ensemble sur l'espace public. Donc il y a ce côté où ça appartient à tout le monde et donc tout le monde doit pouvoir participer à fabriquer ces espaces-là et à les animer. Ha 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 ha!